Bonjour, je vais vous présenter trois coiffures différentes pour être belle en soirée. Tu es prête, Pamela ? On y va. Alors, pour la première, on a besoin juste d'une pince plate. Donc, au préalable, j'ai un tout petit peu bouclé tes cheveux, histoire qu'il y ait un tout petit peu plus de mouvement. Tu prends la mèche du côté que tu souhaites, en fait. Tu ramènes ta mèche à l'arrière en faisant une petite vrille pour avoir un tout petit peu plus de relief. Et ensuite, tu places ta pince plate de cette façon. Et tu peux mettre un tout petit peu de laque si tu veux bien la fixer. Tu veux essayer ? Je ne mets pas de laque, comme ça tu peux le faire toute seule. Je vais essayer. Voilà. Après, libre à toi de le laisser ici ou de tout ramener sur le côté. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Donc, tu repars de ça et tu vas utiliser ce joli ustensile qui sert en fait à bomber la partie de dessus. Tu vas isoler la partie avant haute de tes cheveux. Donc, tu vas venir attacher tes cheveux derrière. Voilà. Ensuite, tu positionnes ceci et tu vas venir, en fait, passer tous les cheveux par-dessus. Comme ça. Relève un tout petit peu ta tête. Et tu viens fixer avec une pince. Voilà. Un petit côté rétro, j'aime beaucoup. C'est drôle, hein, c'est très joli. Tu vas le refaire toute seule ? Allez. Donc après, on peut mettre un petit peu de... Voilà, après tu peux venir laquer un tout petit peu. D'ailleurs, je vais te montrer. Tu vois, là, tu l'as très très bien placé. Et après, tu peux même un tout petit peu l'emmener vers l'avant. Pour si plus tu as envie d'avoir vraiment plus de volume. Et tu vois, là, c'est très 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 élégant. J'aime beaucoup, vraiment. Du coup, ça me donne une autre idée. C'est que tu peux garder cet accessoire ou l'enlever si tu le souhaites. Mais du coup, tu peux venir en fait faire une tresse très très rapide, comme ça, et ensuite l'enrouler. Et avec une pince à chignon, bloquer le tout. C'est super rapide. Et très joli. C'est évolutif en fait. Beaucoup aussi. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Moi, c'est Andrea Soldano. Vous pouvez me retrouver sur Minute Facile ou venir me retrouver au Salon Yes, près de Bastille. Merci beaucoup.